Efendim, tabii ki eserleri, Kur'an-ı Kerim'i derin bir Arapçayla, Mesnevi Şerif'i derin bir Farsçayla okumak çok güzel. Bunu kabul etmek lazım. Alors, il faut admettre évidemment qu'une lecture du Coran en étant arabisant soi-même et en une connaissance profonde de l'arabe ou du Mesnevi en ayant des connaissances persanes et donne une joie particulière. Her iki dil de şiir gibi. Car ces deux langues sont comme des poésies. Hoş bir ahengi var. İnsan anlamasa bile zevk ediyor. Et même si on ne comprend pas ces deux langues, on en tire d'ailleurs une joie, il y a une poésie dans ces langues. Fakat bendeniz her zaman şöyle derim. Mais je dis toujours, Arapça bilmekle Kur'an-ı Kerim anlaşılsaydı gerçek manada Arapça bilen ülkelerin hali bir başka olurdu. si la connaissance de l'arabe suffisait à la compréhension profonde du Coran, alors l'état des pays musulmans arabes d'aujourd'hui aurait été différent. Mesnevi Şerif'i anlamak için ille de Farsça bilmek gerekseydi İran'ın durumu bir başka olmalıydı. Et de même, si le persan suffisait à une compréhension profonde du Mesnevi, la situation actuelle de l'Iran aurait été aussi différente. Dünyada birçok dil var. Il y a beaucoup de langues dans ce monde. Ama bir de Allahça diye bir dil var. Mais il y a une langue divine. Kur'an-ı Kerim de Allahçadır. Mesnevi Şerif de Allahçadır. Bir başka dildir. Farsça, Arapça diyemeyiz Allahçaya. En fait, le Coran et le Mesnevi ont leur langue propre, qui est une langue divine qu'on ne peut pas réduire à l'arabe ou au persan. Kur'an-ı Kerim'i de gerçek manada anlayabilmek için Mesnevi Şerif'i de gerçek manada anlayabilmek için Allahça lisanını bilmek lazım. Et pour comprendre à sa juste mesure profondément le Coran et le Mesnevi, il faut avoir cette connaissance de la langue divine, de la langue de Dieu. Bu Allahça nedir diyecek olursanız, Et si vous deviez me demander, mais c'est quoi cette langue de Dieu? samimi bir aşk. Je dirais un amour sincère. Samimi bir teslimiyet. Une soumission sincère. Hulusi kalp ile okumak. Une lecture avec Biz. un cœur pur. Okumak da yetmez, yaşamak. Et une lecture ne suffit pas elle-même, vivre cela. Eyvallah. Arapçayı da bilelim. Farsçayı da bilelim ama tercümelerinden de okursak temiz bir duyguyla aslı gibi anlayabiliriz. Bundan şüphe etmeyin. Soit c'est très bien de le lire dans la langue arabe ou dans le persan, si on a cette connaissance, mais si on est mu par une pensée pure et sincère, on pourra tirer le profit qu'on doit tirer de ces livres saints. Yani tercümeleri de dikkate almak lazım. Il faut donc prendre au sérieux les traductions. Fransa'da bendeniz Eva David Reimarevic'i çok seviyorum. Tabii Fransızca bilmediğim için nasıl bir tercümedir bilmiyorum. Ama Eva David Reimarevic gönül ehlidir. Gönül dilini bilir. Yani Allahçayı bilir. Onun için inanıyorum ki düzgün bir tercümedir. Alors, en France, concernant les traductions françaises, je ne connais pas moi-même la langue française, mais j'aime profondément Eva de Vitré de Meyerowitz, qui est une femme de Dieu qui est douée d'un cœur et donc qui connaît, qui maîtrise certainement cette langue du cœur, la langue du Dieu. Et pour cette raison, cette traduction est certainement très bonne. İngilizce'de de Şefik Can dedem Nichols'ını çok beğenirdi.
Concernant l'anglais, mon maître Chefik Jan Dede recommandait particulièrement et appréciait Nicholson. Hatta kendi mesnevi çalışmalarında Nicholson'ı baz almıştı. À tel point d'ailleurs que quand il avait fait lui-même un travail sur le Mesnevi dans la langue turque, il s'était appuyé notamment sur cette traduction de Nicholson. Dili biraz ağır diyorlar ama çok düzgün, çok kaliteli bir çeviri. Une traduction, une très bonne traduction, mais la langue apparemment, c'est ce que j'ai pu entendre, est une langue soutenue.